D'accord. J'ai tellement peur. C'était moi. J'ai la haine. Faut que tu drailles à Roof Gangsta. C'est long. Elle est au moins 5 ans déjà. Oh aussi. J'ai jamais entendu ça. C'est incroyable. Les amis, aujourd'hui on est à la montagne. En fait, j'y suis pendant une semaine avec tout notre groupe des Shinji. À la base, on est en vacances, mais j'ai décidé de pimenter un peu mon séjour en tournant une vidéo où je dois obéir aux ordres que mes potes vont me donner. Théma, le groupe qu'on est, je vais jamais survivre. Voilà, avec cette vidéo, si tu t'abonnes pas, je le prendrai très très mal. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. On y va. On va souffrir. La première étape avant de commencer cette vidéo très sérieusement, il faut boire le verre d'eau. Parce que je sais, vous m'harcelez quand je le fais pas, quand j'oublie, donc là faut pas que j'oublie. Pour le bien-être de la team verre d'eau. Voilà, maintenant la team verre d'eau, vous arrêtez de pleurer. Du coup, vous l'avez déjà vu, on a déjà la cuisine avec Wesley et ses céréales. Le soleil, je peux péter dans ton... J'en ai marre de... Vas-y, Bino. Ouais, il était grave. Soleil. Wesh. Mais wesh, je t'en démarre. Ah, ça pue ce mec. Non, regardez, c'est le matching outfit. Let's go. C'est mon ref. Ah, wesh. Alors, Soleil, ça va? Alors, ce que je vais te demander pour ta première tâche, est-ce que tu peux faire 50 fois le tour du canapé, s'il te plaît? C'est quoi cette oui ordre? Tu peux le faire oui ou pas? Bah oui. Tu sais, tu peux courir. Cours. Eh, gars, tu vas apprendre plus vite. Ouais, c'est quoi là? Cours plus vite. J'en ai pas. Accélère. Tu vas au collège, elle a jamais fait. Mais non, mais d'habitude, je suis pensée de sport. Let's go. Go, go, gang, 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 gang. Non. Cher, en plus, accélère. Va maintenant, tu danses en même temps. À chaque tour que tu. À chaque fois que tu passes devant Soso, tu dis un truc désagréable sur ses chaussettes. Elles sont pas douces. Elles ont une couleur dégueulasse. Oh. Tu peux t'arrêter uniquement si tu imites le cri de Mario quand il meurt. Vous savez quoi, mais avec mes potes on s'amuse à faire ça. Ah ouais? Et est-ce que vous amusez à tourner autour du canapé? Reprends. Avant tu langues et chantes une musique. Ouais. Spaghetti cause nous. Vas-y, attends. Pour les essais derrière, tu cries. À chaque fois que tu fais un tour, tu cries 2 secondes. À la fin du prochain tour, tu fais Michael Jackson. Hey 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 hey. Et là, tu finis sur le wow. Bravo Soleil. Let's go. Pour fêter ça maintenant, tu vas faire la vaisselle. C'est beau, comment tu te sens après les 50 tours? Je pète la forme. Boute-moi que tu pètes la forme. Bon là, actuellement, ouais. Tu vois la vaisselle qui est là. Ouais. On est gentil, tu vas pas vraiment faire la vaisselle. Mais, on a la vaisselle. Oh. Et c'est moi qui l'ai vidée à 6h du matin. Vu que tu mets à l'intérieur. Soleil, je vais venir boire un verre, je le mets. Est-ce que si je le pose devant le jacuzzi, tu peux aller le chercher? Oh ouais. Bah je vais aller le poser devant le jacuzzi, on t'attend avec les abonnés, c'est bon? Allez, venez, on va devant le jacuzzi. Elle va se déplacer juste pour un verre. Bon, on est sur le jacuzzi. Non mais... T'es là! Merde! Tu peux me chercher le verre qui est là-bas, s'il te plaît? Faut le mettre au sale. Heureusement, il y a une belle vue, en fait. Pourquoi t'es allé là-bas? Pour aller chercher ton verre. Ah ok, fallait pas te donner cette peine. C'était pas obligé. Autant aller mettre dans la vaisselle maintenant. Vous savez que je me suis empêchée d'aller skier aujourd'hui. Ah, y'a des guêpes. Tu dois battre ta peur. C'est pas une peur là, c'est une allergie. Tu sais que si je me fais piquer, j'ai 42 fièvres. Je suis en cours dans la maison alors. Non, renifler mon paix. Non, j'ai... Elle a eu peur. Comme j'ai la flemme, s'il te plaît, tu peux monter chercher mes AirPods là-haut. J'ai trouvé ça sur une table de chevet, c'est bien ça. Non, faut que je trouve déjà la chambre en fait, c'est que je sais pas où c'est. C'est la vôtre? Au fond de droite. Alors, il a quand même dit que c'était la chambre des plus propres. Je préfère pas vous montrer. Hein. Alors, c'est ça? C'est que s'il fait pas 1 milliard de degrés, c'est bon, j'ai les AirPods. Je vais pouvoir lui donner. Oh, elle l'a trouvé! Ouais! J'avais juste envie de les ranger dans ma poche. Ah, c'est l'heure que t'ailles me chercher un coupe-ongle et que t'ailles me tuer et que tu me fasses ma manucure. La tête de Soso.
Elle est bien. Bah vas-y, c'est quoi en fait là? Allez, tiens, va chercher. Va chercher maintenant! T'es un esclave, gros. C'est qu'en plus, la chambre qu'on a, elle est au dernier étage. C'est trop loin. Du coup, faut que je trouve mon coupe-ongle. Est-ce que vous savez que ce sont des sans-cœurs qui prennent un malin plaisir à me torturer? Et ça les dérange pas du tout. Ouais, elle est là. J'ai le coupe-ongle. Putain, je vais devoir faire sa manucure. J'ai jamais autant espéré que vous lâchiez un pouce bleu pour cette vidéo effort là que je suis en train de faire. Bon soleil. J'espère que t'as des talons d'esthéticienne, de manucuriste, je sais plus comment on dit. Vas-y, je te laisse tester. Et si tu le fais pas bien, je te donne encore un autre défi. La vie, je vais m'appliquer. C'est bon. Bah, coupe mes ongles maintenant. Ça bien. Hein. Est-ce que t'as déjà coupé les ongles de quelqu'un déjà? Jamais. Jamais coupé des ongles de quelqu'un d'autre. Je suis un peu dubitatif là. Mais t'as rien coupé là? Mais j'ai peur de te faire mal, donc j'y vais petit à petit. C'est pas un couteau, c'est un coupon. C'est la première fois qu'un esclave est aussi inefficace. Bon, écoutez, tu vas faire autre chose. je vais me couper les ongles tout seul. Hey, Soso, oui. Donne-lui du travail, parce que couper les ongles, c'est pas bon. Hein. Et détruire la beauté de mes mains, vas-y, attends, on voit bien. Voilà. Non mais vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. C'est trop le seum. Nono, je te jure, j'essaie de tout donner pour te respecter et faire quelque chose de bien. J'ai la haine. Soleil, tu peux me servir un verre d'eau, s'il te plaît? Ah, si c'est de l'eau, moi, ça me fait plaisir. C'est la tradition. Deux verres d'eau, s'il te plaît. Deux. Et un verre de jus, s'il te plaît. Et un verre de jus, vas-y. Et un truc bien pour jus. Bon, c'est des vrais ordres. Alors, on a quoi? Un verre. Deux verres. Trois verres. Tiens, ma Soso. Ton verre d'eau. Merci. Voilà. C'est gentil. De rien. Tiens, ouais. Et merci beaucoup. Tu es content? Un service de qualité. C'est vrai? T'as trouvé mon service de qualité? Un peu long, mais ça a été. Monsieur Minotaku, que voulez-vous comme jus? Tu débrouilles une boisson. Quel homme exécrable. Oui. Surprenez-moi. Je vais lui mettre un fond de vodka, il va kiffer. Bon, bah, je vais lui mettre ça. Hein. Voilà, c'est bon. Voici votre jus, monsieur. Ah, j'avais demandé quelque chose à manger aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez manger quelque chose en particulier? T'as juste faim? Ça fait quand même 20 minutes, je suis dans le restaurant et je suis pas servi. Mais c'est... Pardon, mais oui, mais j'ai beaucoup d'ordres de mes chefs. Ah, j'en ai... Il y a écrit doux sur le beurre. Je vais me servir sur côté. Je suis d'accord. Soso, tu peux me donner l'ordre d'aller frapper, si tu veux. Tu peux aller frapper les gens qui disent que le demi-sel, c'est surcoté. Aïe, ça fait mal. Hop. Et non, ce restaurant. Ça arrive, c'est là. Voilà votre... Votre... Attendez, j'aimerais comprendre quelque chose. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous m'avez fait ça. Oui. Sans assiette. Avec des mains potentiellement pas lavées. Mais si, je les ai lavées. Quand? Mais tout à l'heure. Il y a combien de temps? Mais juste avant. Vous avez touché votre téléphone? Non. Vous foutez de moi? Non. Posez. Merci, on va goûter ça. Même pas de fromage. C'est si fade. Fromage préféré? Au point où on en est, mais c'est des ventales. C'est du comté qu'il y a. Mettez du comté, mais est-ce que je peux vraiment compter sur vous? Alors il y a de l'emmental râpé si vous voulez. Je suis fatigué. Du comté, des pâturages. C'est du bon. Et je suis particulièrement fière de celle-ci. Il y a un petit côté artistique parce qu'on a décidé de faire un quadrillage sur le comté. J'en suis particulièrement fière. C'est. Vous n'avez pas les mots, je sais. C'est... Fade, juste du gouda quoi en plus. Du gouda? Mais c'est du comté. C'est du gouda maintenant. L'ordre a été respecté, on m'a dit de faire à manger, j'ai fait à manger, on m'a pas dit de faire un truc bon. Viens, au début du séjour je t'avais dit que je voulais faire un prank. Ouais. Ça, tu vas devoir faire quoi? Et tu vas pas dire non. Tu sais très bien que Nano il aime beaucoup sa sacoche. Tu vas devoir la cacher. Quoi? D'accord. Donc on y va, let's go. C'est bon ou pas? C'est bon. Nono, je suis déjà désolée d'avant de ta réaction. Nono, sa sacoche, personne doit y toucher. Je sais pas s'il y a de l'or ou je sais pas quoi à l'intérieur, mais je vous jure, pète un plomb. Madame, on y va? Nono, si tu vois cette vidéo, tu verras que c'était pas moi de mon plein gré, c'est on m'a donné un ordre. Tu sais, je lui ai dit de faire quoi là? Quoi? Il m'a donné l'ordre de cacher la sacoche de Nono. C'est qu'il va vraiment défoncer la galaxie là. J'ai jamais entendu ça. Moi j'y peux rien, c'est un ordre. C'est laquelle? C'est celle-là? Je vais laisser un indice quand même. Non, cache-la. S'il se vénère trop, t'as le droit de lui montrer. Mais tu dois dire que c'est toi qui l'as caché là. J'ai le droit de dire que c'était un ordre. Ouais, t'as le droit. Ok.
Parce que tu tremblais déjà. Moi je veux pas, tu vois, parce que je connais les conséquences et je sais que c'est pas marrant. Hein. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Moi j'ai quelque chose. Ah. Comme tu le sais, ça fait depuis quelques jours que je m'occupe du jacuzzi. Oh non. Aussi. Oh non. Aussi. Je vais pas te demander de le laver. On a un problème. Pour le remplir, on n'a pas le bon tuyau. Et du coup, faut le tenir à la main pendant genre un petit 10 minutes, 15 minutes. Et du coup, tu vas bien t'amuser. Bien, suis-moi, je te montre comment ça se passe. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi je fais cette vidéo? C'est quoi là? Comment ça, ça va être bien pire? Eh, vous savez que là, je vais remplir un jacuzzi dans lequel je peux même pas aller parce que je suis allergique au chlore. Mais bon, ça fonctionne, t'as pas de bruit. Emma, comment je suis? Ah, putain! Là, j'ai mal au dos, frère. J'ai le dos courbé et genre, j'ai des giga problèmes de dos. Du coup, je suis en train de me défoncer le dos, genre. Vous savez qu'il passe une meilleure journée que moi? On dirait pas que je suis en train de conduire un truc, genre. C'est long! Faut que j'arrête ton supplice, il faut que tu parles en la pâquerette. C'est bon, j'arrête tout sur plus. Ouais. Ah, dans quelques minutes, je vais partir. Celui qui m'a pris ma sacoche, qui l'a ramené sur lui. Non, ça va. Tu sais qu'elle sent mal. Ouais. Je sais. T'es sûr que je vais t'énerver comme moi? Non. En vrai, c'est plus simple. Elle est où ma sacoche déjà? Viens, on la cherche. Ouais, on va la chercher. Viens, on la cherche. Ouais, je t'aide à la chercher. Ouais. Bah je cherche là. Oh mais où elle est cette sacoche? C'est chiant là de ne pas la trouver. Elle est où cette sacoche? Elle est pas là la sacoche. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça m'étonnerait pas que ce soit. Amène-moi ma sacoche. Ah en plus. J'ai pas le choix, il m'a donné l'ordre de la ramener. Donc. Non mais viens Nono. Nono, en fait, franchement c'est pas ma faute, moi je voulais pas. C'est Jeff, il m'a donné l'ordre de cacher ta sacoche. Du coup j'étais obligée de le faire, tiens. Tu sais que je voulais pas. Un truc que je vais vous dire, vous savez que cette sacoche, c'est comme mon fils. Je la porte tout le temps. On l'a dit dans la vidéo. Putain. Aga. Attention. Mais c'est pas ma faute, moi je fais juste mon travail. Il y a les gens du ski qui sont rentrés du coup. Non, c'est David qui était au ski. Alors ça a bien snowé. On peut dire ça. La glisse. Oui. Tu vois, je suis tombé en snow. Oh non. J'ai besoin d'un massage. Ça y est, vas-y. Je vais me mettre là. Très bien. Elle fait ça vraiment très très bien. Alors là, dis-toi que... Ah, tu sens que j'étais tendu ici, non? Oui. Ah, franchement, tu me surprends, je savais pas que tu savais les faire aussi bien. Tu sais que je te rappelle, je sais tout faire. Ah oui. Comme ça fait du bien. Ouais. Oh là là. Tu pourras ouvrir un institut. Je suis fatiguée là. Oh, c'est incroyable. Oh. Et t'as passé ton diplôme en Chine, c'est pas possible. Vous voyez, moi souvent je lui parle à Soleil et je lui dis qu'elle a d'énormes qualités. Elle va même d'en trouver une nouvelle là. Ah non, franchement t'es quelqu'un. Merci Soleil. De rien. T'appelles la Wolf Gangsta? Ouais. T'as ouais. Senti? Ouais. Tu veux que je dise quoi? Il y a un pote à toi qui m'a donné ton numéro. Tu me dragues. Il faut que tu dragues à Wolf Gangsta. Bonjour. T'as de la chance. Ah, on a frôlé la catastrophe. Oh, j'ai le numéro de Chiro. Tu lui dis ouais, je sais que t'es pas de vidéo et tout, il m'a passé ton numéro, tout ça. J'aimerais pouvoir savoir si c'est possible de qu'on fasse un feat et tout. Et tu lui dis, moi, je te préviens juste, c'est une grosse OP et j'avoue, je compte pas te payer. Ouais, allô? Ça va, Chiro? Tranquille, pourquoi on m'appelle là? Fallait que je te propose un truc de ouf là, enfin, genre, c'est une vidéo que je dois faire dans pas longtemps. Et du coup, j'avais pensé à toi. Je t'explique, t'as le temps là? Ouais, vite fait, t'inquiète, je suis pas en live et tout. Bon, ça va alors. J'ai une OP avec une marque manga, mais genre de dropshipping. Mais genre, il me propose là la thune, tu vois, pour cette vidéo. Genre, je pensais faire un concept avec des cosplays, du coup, de leur marque et tout. Du coup, ce serait une sorte de cache-cache, enfin, genre, ça peut être incroyable, tu vois. Alors, mais par contre, je pourrais pas te payer. Oh, t'inquiète. Genre 20K et tout, enfin, bref. Mais en tout cas, on va faire une... Mais tu mens, vas-y, arrête de mentir, là, comment ça veut, quoi? Bah oui, enfin, genre, tu sais pas, c'est un projet, quoi. Oui? Non, attends, il est bizarre, là. Déjà, comment t'as eu mon numéro, déjà? C'est Mino qui me l'a donné, je lui ai demandé. Bah en vrai ouais je suis chaud. Mais genre en gros le tournage il aurait lieu à Lyon tu vois. Par contre je pourrais pas te défrayer non plus. C'est genre dans un château, ça va être trop stylé. Et les autres ils font comment? Bah après y a genre... Bah après y a d'autres personnes tu vois mais je te le dis parce que c'est transparent mais y a juste deux personnes que je vais payer genre Jeff et Mino. Et ils en ont besoin pour des projets du coup j'espère que tu le prendras pas mal et tout. Mais en tout cas cool si t'es chaud. Non, t'inquiète juste je vais parler mal de toi en live mais... Quoi? Pourquoi? Bah vu qu'en plus t'es genre tu serais le plus gros youtubeur, ce serait trop bien au niveau de la visibilité quoi. Ah mais là tu trolls là. Oh quoi je troll wesh. Oh là là.
Genre Bernie, je suis Squeezie. Non mais genre parce que j'ai demandé à d'autres personnes, ils voulaient pas, du coup j'ai pensé à toi après. Bah au début j'avoue Mino il voulait pas. Après j'ai un peu forcé, tu sais, je lui ai dit vas-y c'est bon je te paye, viens. Vas-y moi je veux pas alors. Dommage. Et du coup tu me payes ça. Non, je peux pas, je suis désolée, je peux vraiment pas. Non mais parce qu'en fait tu serais un peu la pièce rapportée au truc quoi, tu vois. Eh bah merci d'avoir pensé à moi. Bah avec plaisir, bah vas-y je te tiens au courant. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. T'inquiète. Merci. Vas-y. Hein. Vas-y, ciao. Vas-y, merci, c'est cool bien. Pour le bénévolat. T'as raccroché? Elle est bien. Ah, le pauvre. Je peux le rappeler, s'il vous plaît, pour lui dire que c'est une blague. Rappelle-le en visio, rappelle-le en visio. Rappelle-le en visio. Attends, y'a un problème. Arrête de Attends. Arrête-toi l'arrière, avant tout le temps. Je veux te voir, viens là. Assez-toi là-bas. Je dis. Ok, à partir de ce moment-là, il s'est passé un truc de fou, les gars. Jeff a tout filmé pour mettre sur sa chaîne. Donc si vous voulez l'entièreté de la chose, rendez-vous sur la chaîne de Jeff. J'ai tellement peur. Ouais, Chiro, du coup, c'est totalement faux. J'ai jamais été contactée par des marques et tout. Et jamais de ma vie, j'aurais fait ça. Donc en vrai de vrai, ne t'inquiète pas. Jamais de ma vie, j'aurais fait ça, dire que t'es une pièce rapportée du truc. Wesh, c'est, on est où là? C'était un prank, c'était un ordre que je devais respecter. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Et on se voit très vite. Allez, ciao! Les amis, vous voyez derrière moi, il fait jour. La vidéo elle s'est arrêtée comme as. J'ai pas repris la cam hier, j'étais crevée au final, je suis allée dormir. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffée. Moi j'ai bien gobé et je suis heureuse de commencer une nouvelle journée sans être le larbin de tout le monde. T'as bien profité hier toi, non? Je vous déteste tous, vraiment, même pas un peu d'empathie, rien. J'espère que cette vidéo vous l'avez kiffée, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Snapchat. Et Twitter, voilà, je rajoute Twitter dans la bande parce que bah vas-y, je commence à être active sur Twitter, donc viens me suivre sur Twitter, c'est important. Et nous, on se retrouve semaine prochaine, 10h34 comme d'habitude, à la semaine prochaine, la team. Bon dimanche!